Madame le maire et les adjoints qui seront retenus de notre cérémonie, bon, ils vont passer, mais plus tard. Donc on va pas vous accompagner, on va commencer parce que là, il y a vraiment là qui ne sont pas là. Donc il y a des personnes qui auraient voulu être présentes et aujourd'hui ils travaillent ou ils sont malades. Donc, je vous prie de les excuser. Donc je vous remercie de votre présence à cette cérémonie des vœux qui a été couverte cette année aux anciens membres. Notre club a changé de look avec la transformation de deux salles en une, qui paraît plus basse alors que la surface n'a pas changé. Le rendement des billets et des billes a également évolué avec le changement de drapier et l'arrivée d'une laveuse de lustreuse pour les billes, que chacun a pris l'habitude d'utiliser. La saison dernière a été exceptionnelle au niveau sportif, avec la qualification de nouveaux joueurs au final Artwork, CD, Ligue, la participation de 5 membres du BCD au championnat de France, Guy au Cannes, à Calais, Léo au 3 Calais à Lorient a brillamment pris la 3e marche du podium. Et enfin Guillaume, Léo et Christian, équipe la plus jeune d'âge de toutes les équipes engagées en France, a passé toutes les qualifications pour la finale de France qui a eu lieu à Dijon en juin. Ils ont décroché la médaille d'argent, 4 points de plus sur 9 matchs et c'était le titre. Je tiens à remercier l'ensemble des compétiteurs lyonnais à quelques niveaux où ils ont évolué et qui ont défendu nos couleurs. C'est plus de 23 000 km qui ont été parcourus par nos joueurs aux 4 coins de la France la saison dernière. La nouvelle saison qui a commencé en septembre débute sur les chapeaux de roue avec des qualifications au final Arco-DCD. Un champion d'Arco, que ce soit en individuel ou par équipe. Sous l'impulsion de Christian, l'opération découverte avec les CN2 va reprendre et peut-être nous amener de nouveaux jeunes comme Lucas et Damien, qui pour sa première année de compétition est déjà qualifié pour une finale à Pau et 2 finales CD. Les anciens jeunes ne sont pas en reste. Guy et René qualifiés pour la phase nationale en jeu série 3e division. Jacques et Christian disputeront la finale CD 62 en triathlon division 2. Pour les autres équipes, il faut encore attendre un peu. À la mi-championnat, les équipes occupent la première place au classement. Cette saison, d'anciens membres sont revenus au club. D'autres ont pris une année sabbatique, mais le billet est quitté de nouveau. Le club essaye de ne pas suivre les hausses des tarifs qui sont à la mode en ce moment. Mais au contraire, les prix des boissons n'ont pas augmenté depuis l'an 2000. Les cotisations ont même baissé depuis 3 ans. La licence payée par le club à la fédération est plus chère que la cotisation club. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui adoptent ce système. Le PCD, pour la première fois depuis sa création, n'a pas participé à la kermesse communale. Position météo défavorable. Le Téléthon s'étiole d'année en année. Une nouvelle formule est à l'étude pour cette nouvelle année. Je remercie ceux qui s'investissent et participent à ces actions. Remerciements aux membres du bureau pour leur implication dans leur fonction, même pour le. Les remerciements iront à Madame le maire et le conseil municipal qui nous soutiennent dans nos actions, aussi bien au niveau matériel que financier.
Mon vœu pour cette nouvelle année est que le PCD reste une bande de copains. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Alain, secrétaire du club, qui a quelques mots à vous dire. Merci. Ben moi, je voulais tout simplement renouveler mes vœux à tout le monde, au nom des membres du club, parce que pour les familles, les proches. Et puis, une petite mention particulière, justement, aux anciens adhérents, parce que, et ça, je tiens à remercier l'ensemble des membres du bureau d'avoir validé cette initiative, un petit peu. Parce que pour moi, ben, ils font toujours partie du club. Disons qu'en ce moment, leurs adhésions sont entre parenthèses, le grand boxeur. Et de toute façon, la plupart des anciens membres du club sont des membres fondateurs, ou certains sont arrivés dans la foulée. Je pense à des gens comme Willy, Johnny, Vincent, enfin c'est des meilleurs. Et ils ont contribué largement à l'évolution du club. Et je pense que ça, on peut retirer un sacré coup de chapeau là-dessus. Parce qu'à chaque fois qu'on a mené, on a mené quand même des actions, le Bière Club du Lyonnais a une réputation, même au niveau national, il faut savoir quand même. Même si vous allez à Biarritz, les gens de Biarritz connaissent très bien le Bière Club du Lyonnais, puisque c'est le seul club en France qui a organisé un quadruple championnat de France. Depuis ce temps, avant ça n'avait jamais existé, et depuis ça n'a toujours jamais existé. On est le seul club en France à avoir réalisé ça. Et réalisé, je prends cet exemple-là, mais réalisé de façon vraiment nickel. Tout s'était très bien déroulé. Et je pars du principe qu'un club, c'est bien, on est le nom du club, il y a un bureau composé de plus de quelques membres, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tout ce bureau fasse adhérer vraiment, il faut que les adhérents soient vraiment partie prenante. Et sans eux, c'est impossible de mener des actions à bien. Et pour ça, je voudrais les remercier. Et puis leur dire aussi que, entre nous, on parle, leur nom, leur prénom revient souvent lors de nos discussions ici au sein du club, mais aussi quand on va en compétition. Il n'y a pas longtemps, on était à Carvin. Les gens de Carvin ont demandé des nouvelles, par exemple, de Jean-Marie, de Willy, de Johnny. Je suis allé à Willy, on m'a demandé des nouvelles de Vincent, on a parlé des coups de Clément Détiré lorsqu'il faisait compétition. Bon, donc sachez que ce soit au club ou au sein de la ligue, les gens se rappellent très bien de tous les adhérents, y compris des anciens adhérents du club. Voilà, je voulais simplement renouveler mes meilleurs voeux à tous, et puis vous souhaiter plein de bonnes choses pour l'année 2013. Voilà. Bon, après ces bonnes paroles, en attendant qu'il y ait quelqu'un de nommé Ali, je vous propose de prendre le coup d'amitié.